Mais je dois remonter, on ne peut pas être en retard. Ne t'inquiète pas, père, nous avons tout le temps. Moi, c'est surtout la pièce qui m'intéresse. Je suis sûr que cette année, la fête va être magnifique. Flora, as-tu préparé assez de nourriture? Oh oui, bras de fer, il y a plein de choses. Oui, papa, que pochons-nous, la fête va commencer. Tu as raison, Tim-Tim, on y va. Oh, je suis terriblement en retard. Oh, oh, quelle catastrophe. Il faut absolument que j'arrive à temps. Roman? Bonjour, Pom-Pom. Ça va être une belle journée. Je me demande comment sera la pièce. J'ai toujours beaucoup aimé cette fête. Il faut pas que j'arrive en retard, moi. Citronnelle, ne cours pas si vite. C'est pas la peine de te dépêcher. Enfin, tu sais bien qu'on ne trouvera pas de bonne place, alors dépêchons-nous. Allez, bon, je vais courir en avant et garder des places pour tout le monde. Poussez-vous, je suis pressée, poussez-vous. Il faut que je trouve de bonnes places pour la pièce. Oh, il faut qu'on soit devant. Là. Oh, voilà. Ça doit être assez grand comme ça. Toutes ces places sont réservées, nous sommes très nombreux. Venez par ici, Flora, bras de fer, maître Cléobule, on va s'asseoir ici. Voilà, Tim-Tim, toi tu t'assis ici. Ça y est, tout le monde est arrivé. Quel buto va prévenir Fortos. J'y vais. Quelle heure, Fortos, si je suis arrivé, tu peux descendre. Merci, Culbuto. J'y vais. Attention de pas tomber. Hein. Oh, t'en fais pas. À ta santé, Clobule. Et à la bonne tienne, bras de fer. Je vais vous dire ce qui se passe dans la pièce. Ça s'appelle la légende du monstre des montagnes. Dans la pièce, ma fille Lilibelle est attaquée par un monstre. Mais le héros vole à son secours. Oh, ma petite Lilibelle est parfaite pour le rôle. Elle est si jolie. On dirait qu'il est fait pour elle. Une fraîche damoiselle sauvée par le jeune héros. Ah, c'est Moustique, le héros. Et le méchant est joué par Koum Koum. Oh, ça va être une pièce merveilleuse. Et Fortos, quel rôle il joue? C'est lui qui joue le monstre des montagnes. Ça lui va tout à fait bien. Vous comprenez, Fortos est tellement grand et fort qu'en monstre des montagnes, il est vraiment terrifiant. Oh, je voudrais que ça commence. Oh, oh. Regardez, Azor aussi veut voir la pièce. Ashley, Ashley. C'est assez méchant. Ah, c'est terrifiant. Hé, je t'ai attrapé. Tu vas jouer dans la jolie pièce, petit flamifiche. Tout le monde se plateau pour le lin. Mais ça commence! Oh, c'est affreux! Je crois que je suis perdue dans la forêt. Je ne suis qu'une pauvre jeune fille perdue dans les bois et qui a peur du vent mauvais. Oh, c'est affreux d'être seule ici. C'est moi le vent mauvais. Ah ah, j'aperçois une belle jeune fille. Je crois que je vais m'approcher d'elle. Oh, où allez-vous ainsi, jolie fille? Oh, vous voyez, monsieur, je me suis perdue. Alors, vous êtes seule? Renseignez-moi, où suis-je? Dans la forêt immense, où vit le terrible monstre des montagnes. Le monstre? Ah, comme moi! Bien joué, Koum Koum. Oh, quel méchant homme que cet étranger. Cours vite, Lilibelle, sauve-toi. Allez. Épouse-moi, jeune fille, ou je t'abandonnerai un monstre. Non, jamais. Koum
Koum-Koum ne devrait pas être si méchant. Il fait peur à Lilibelle. Koum-Koum, arrête-toi! Mais enfin, c'est qu'une pièce et Lilibelle n'a pas peur du tout. Oh, tu ne m'échapperas pas! Courage, je suis là! Oh, mais Romain, héros! Flanque-lui une bonne raclée! Donne-lui une leçon! Dis-moi ton nom! Cobra, le méchant! Et quels sont tes desseins diaboliques envers cette demoiselle? Je vais l'enlever! Jamais, monsieur! Elle était sur ma route, elle est à moi! Il faudra te battre pour avoir! Je relève le défi! Au revoir! Elle est mordue! Ah, t'es prêt, Forto? Ça va être à toi! Ah, attends! Mais t'entends, Forto, dépêche-toi, tu vas rater ton entrée! Mais non! Je te dis que c'est à toi! C'est à moi? Ah bon? Allez! Je suis le monstre. C'est un présage et Scarby est seul capable de vous sauver. Je suis Croque-Marmot, le monstre des montagnes. Je suis très cruel et je mange des jolies petites filles. Et alors? Tu n'es pas aussi méchant que moi. Oh je veux manger cette petite fille. Non, c'est impossible, elle m'appartient. Tu es un menteur, cette jeune fille est ma promise. Croque-Marmot va vous manger tous les trois. Tu joues drôlement bien. Ah, arrêtez le monstre. Quoi? Croque-Marmot, laisse ses enfants. C'est moi, c'est Forto. Mais qu'est-ce qu'il est bête? Dépêche-toi, il faut continuer à jouer. Hein, faut continuer? Ah bon? Alors vous jouez ou quoi? Oui, j'adore les petites filles. Viens. Vas-y, Lilibelle, vas-y, défends-toi. Oh, je te demande pardon, maman. Oh, oh, le monstre revient et il va me dévorer. Oh je vais vous manger. Oh, j'ai soif, moi. À l'aide, Romero, si tu m'aimes, il faut que tu viennes à mon secours et que tu me sauves d'une mort affreuse. Oh, ils sont évanouis. Et dépêche-toi, Forto, ça va être à toi. Oh non, elle boit plus. Allez, arrête et retourne sur scène. Tu reprends ton rôle. Allez, vas-y, Forto, je vous mets où tu étais passé. Continuez la pièce, il va arriver une catastrophe. C'est très bon. Ah, il est formidable. Quel naturel, ce Fortos. Oh, moi, je trouve qu'il est bien mieux maintenant que tout à l'heure. Admirez cette force, cette puissance, cette sauvagerie. Hey ah, il était bon. Allez, Forto, c'est à toi. Forto, qu'est-ce que tu fais? Reviens, monstre de montagne. Non, papa, reviens. Je suis là, moi. Hein? Oh! Allez-y, tuez le monstre et sauvez ma petite Lilibelle. Oui, c'est ça, tuez-le. Je vois un mauvais présage. Si je tue le monstre... Dis donc, Léobule, qu'est-ce que tu manges? C'est toi qui as pris ma jarre de noix? Et pourquoi veux-tu que je t'ai pris ta jarre? Et j'ai apporté la mienne, t'as regardé, elle est pleine de rien, on a volé mes noix. Je suis le monstre. Oh, c'est le gros Fortos qui a pris mes noix, c'est un vilain voleur. Je n'aurais jamais pensé que c'était un voleur. Je suis le monstre. Ah, ils ont vraiment les moyens, ils se payent deux. Oh, Forto, c'est revenu, il est tout près de moi. Ouais, c'est pas possible, il est à côté de moi. Oh, oh, Koum-Koum, regarde. On a deux Fortos. Oh. Oh, c'est un vrai monstre, c'est pas le nôtre. Ah bon, c'est un vrai monstre.
qu'on se sauve avant qu'il nous voie. Pas de bruit, hein. Mais non, je suis trop gros pour que tu manges. Oh, non, non, non. C'était un vrai monstre. Oh oui, il a l'air féroce. Je dois être un exemplaire géant de la famille des gorilles. Il a dû hiberner pendant l'hiver et maintenant, il s'est réveillé, alors il va chercher de la nourriture. Bon, est-ce que vous avez vérifié si tout le monde est en sûreté? Où est Vorthos? Non, non, il n'est pas avec nous. Il n'est pas venu avec nous, il est là-bas. Il nous a pas suivis, il est resté avec l'autre monstre. Mes amis, il faut que nous allions secourir Vorthos. Oui, allons-y. Allons chercher Vorthos. Vorthos. Vous allez passer de ce côté-là et nous, on va passer de ce côté-ci. Mais c'est Vorthos. Ah, vous m'avez bien arrangé.
Portos, c'est nous. Oh non, on s'est trompé de monstre. Qu'est-ce qu'il y a? Le monstre est monté sur la tour de guet. Il va redescendre manger ce qu'on a mis sur la colline. Oui, et espérons qu'après, il repartira chez lui. Tim, ne joue pas avec ça. C'est idiot. Bras de fer, je ne crois pas qu'on puisse faire autre chose ce soir. Tu as raison, Cléobule, il n'y a qu'à attendre. On devrait dormir un peu. C'est vrai. Allez, vite, Lilibelle, au lit. Mais attention, hein, on a intérêt à bien fermer nos portes cette nuit. Moustique, et toi, Fortos, vous feriez mieux de passer la nuit ici. Oh, la visite du monstre des montagnes est un mauvais présage et j'ai peur qu'une catastrophe ne se produise. Oh, ah, oui, une catastrophe terrible. C'est la voix du monstre. Du monstre? Quoi? C'est une bonne idée, mais dangereuse. Vous auriez dû nous le dire. Et on savait pas que tu ressemblais tellement au monstre. Oh, bah, ça fait rien. Mais c'était une belle pièce tout de même. Hein. Vous avez tous été épatants jusqu'à ce que le monstre vienne s'en mêler. Mais en réfléchissant, nos deux acteurs se sont conduits comme de véritables héros. Heureusement, ce n'était pas un monstre qui mange les petits enfants. Non, seulement un guerrier qui avait faim.
S'il avait mangé comme il l'aurait recraché tout de suite. Non, c'est pas moi qui l'aurais recraché, c'est toi. Moi, j'aurais aimé que le gorille il mange Porthos parce qu'il serait mort. さて次のお話はピョンキンがある日村から一匹残らず姿を消してしまった。後を追いかけたクムクムとアロンはピョンキーの不思議な世界を見た。次回ピョンキーボンキー大決戦、どうぞお楽しみに。眠いな明日も不思議。